Le séisme de la Martinique le 29 novembre 2007, donc 7,4 sous l'échelle à 152 km de profondeur. Ça, c'est le séisme qu'on a vécu en 2007. C'est le séisme que nous avons vécu en 2007 en Martinique, juste après dit. Voilà. Le 27 novembre, le 29 novembre 2007, avec une magnitude de 7,3 sous l'échelle de Richter. À 3h du matin, on a nommé Izmit. Et là, on va voir un petit peu ce qui se passe. Imaginez que vous vivez ça à 3h du matin, vous n'êtes pas préparé, vous ne savez pas quoi faire. Il est important de participer à cet atelier. Izmit en Turquie, et c'est la même magnitude que celui de 29 novembre 2007. Donc c'est la profondeur qui joue. Il était plus près de la surface. Voilà, Izmit était plus près du sol. Alors plus le séisme là où la roche s'est cassée, plus c'est près du sol, plus on reçoit les ondes de notre puissance. Il faut savoir que la roche, à force d'emmagasiner de l'énergie, c'est la puissance du bombe atomique quand la plaque se décroche, quoi. Voilà. Si on avait ça en 2007, ce serait vraiment catastrophique. Les dégâts auraient été différents.